Bonjour, c'est Jacques France. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. Bonjour à tous, bienvenue à ITV Célébrité Interview. Aujourd'hui, vous voyez sur ma gauche, je suis sur la tombe de Jean Marais. Mon rêve se réalise. Jean Marais, je l'ai vu qu'une fois, très rapidement dans la vie. Mais j'ai vu tous ses films. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché au cinéma. Pour moi, avant beaucoup de comédiens, c'est pour moi un des plus grands, un des plus charismatiques du cinéma. Avec Jean-Paul Belmondo, on va dire... quand même, et Robert Conrad aux États-Unis, parce que Robert Conrad, c'est mon deuxième, troisième meilleur acteur, mais c'est aux États-Unis. En France, c'est d'abord Jean Marais et Jean-Paul Belmondo. Pourquoi? Parce que ces trois messieurs sont été comédiens cascadeurs, comme moi j'ai eu la chance d'être acteur et cascadeur un petit peu, je dis bien, par rapport à d'autres. Mais aujourd'hui, je commence un beau reportage. On va rencontrer Monsieur Joe Pasquali, qui a été son maître en poterie. Et croyez-moi, on va faire une magnifique émission, parce qu'il y a un livre qui a été écrit par sa femme Nini Pasquali. Cet homme, Jean Marais, on l'a critiqué pour certaines choses, entre autres pour son homosexualité, mais Jean Marais, c'est pas que ça. Jean Marais, c'est un très très grand comédien de théâtre, c'est un très grand comédien de cinéma, mais c'est avant tout un cascadeur. Et dans cette émission, ce reportage, on va dire, parce qu'il y aura plusieurs artistes connus et non connus, on va parler de sa carrière. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. Et j'aurai dans cette émission Michel Berreur, qui a beaucoup travaillé avec Jean Marais, Jean-Paul Belmondo et son maître Claude Cariez. Et vous verrez que Jean-Paul Belmondo et Jean Marais, ben, ce sont des grands comédiens cascadeurs. Pour Jean-Paul Belmondo, beaucoup le savent. Mais dans le métier, beaucoup savent que Jean Marais, c'était une grande pointure de la cascade. Et il prenait même d'énormes risques par rapport, des fois, à Jean-Paul Belmondo, qui en a pris beaucoup aussi. Mais Jean Marais, c'est quelqu'un qui prenait d'énormes risques, des fois inconsidérés, il paraît. Vous allez voir cette émission, ce reportage, je vais dire, parce qu'il y aura plusieurs personnes, je vais tout faire pour qu'il soit, en son nom, un reportage magnifique. Parce que pour moi, Jean Marais, c'est un des comédiens les plus magnifiques du 7e art. A bientôt, cher public, et suivez bien ce reportage qui va se faire sur l'année, hein, bien sûr. Bonjour, c'est Jacques France, je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews.